Aujourd'hui, on est jeudi, puis je viens de me prendre une paire de bas. il est rendu probablement presque, ben, dépassé 11h30, je crois. Non, dépassé 11h. Puis aujourd'hui, je travaille de midi à 5h, mais je remplace comme une fille vite, donc je vais comme pas... Ben, je vais être au cosmétique si c'est occupé, mais je suis chargée de placer la commande aujourd'hui. Fait que c'est ça, mais j'aime quand même ça faire ça. Je trouve que ça passe vite, puis on dirait que, je sais pas, je découvre des produits des fois, là. Fait que, vous savez, c'est toujours en noir ou gris foncé. Fait que j'ai mis mes nouvelles jeans, encore noires. Ils sont nouvelles, mais c'est comme, on dirait un mix entre des jeans et des pantalons. Puis ils viennent du Zara. Sérieux, ils sont trop belles. Puis je pense que c'est comme une des seules paires de pantalons qui me font des fesses. Fait que je suis comme vraiment contente. Puis sinon, mon top, je suis sûre que vous allez me le demander, mais je l'ai acheté au Aries, ok? La place où est-ce qu'ils vendent des sous-vêtements. Puis, pour vrai, là, je sais pas si vous allez pouvoir comprendre le matériel, là, mais c'est comme tellement doux. C'est comme du minou, genre. Fait que pour vrai, c'est super chaud. Puis tu sais, il est comme vraiment flowy sur les côtés comme ça, puis il est long en arrière. Fait qu'on dirait qu'il y a une petite robe. Je trouve ça vraiment mignon. Puis je vais mettre ça avec mes nouvelles bottes qui viennent encore une fois du Zara. Puis là, ok, genre, j'ai comme dévalisé le Zara, comme sérieusement. J'ai tellement acheté beaucoup de choses, mais comme j'avais complètement oublié ce magasin-là. Puis pourtant, avant, je m'habillais quand même pas mal souvent là. Mais là, j'ai retourné, puis je trouve tellement que leur collection pour l'automne puis l'hiver est comme folle. J'ai le goût de tout acheter, surtout que moi, des gens partant la mode de l'automne et l'hiver, c'est ce que je préfère de loin. Fait que c'est ça, mes petites bottes sont vraiment cute, ils s'attachent comme ça, ils sont genre en cuir, puis ils sont comme plus pointus comme ça, puis en tout cas, je vous les montrerai tantôt, mais ils sont tellement belles, puis en plus, il était juste 49$. Puis sinon, je me suis acheté comme plein de nouveaux chandails, des genres de pantalons, des accessoires, puis un manteau. Fait que si vous aimeriez que je vous fasse un haul sur ma chaîne, un haul de mode, puis je le ferai de façon comme try-on, comme ça vous verrez vraiment le morceau sur moi. Dis-moi en bas de commentaire, puis je vais vous faire ça le plus rapidement possible. Sinon, j'ai aussi commandé deux livres en ligne sur Amazon, je crois. Puis je suis vraiment comme... On dirait que je suis vraiment partie sur un mood de lire des livres comme pour te motiver, t'inspirer, des trucs comme ça. Fait que je viens de finir le livre Girl Boss, là, je mettrai l'image ici. Je pense que tout le monde connaît ça. J'ai commandé celui-là, The Richest Man in Babylon. Puis c'est comme vraiment un livre sur comment mieux gérer son argent, puis je trouve que c'est quand même toujours utile, puis il a l'air de vraiment se lire facilement. C'est en anglais évidemment, j'ai aucune idée si ça se fait en français. Puis sinon ce livre-là qui est comme super populaire à ce qui paraît, c'est The Miracle Morning. Puis c'est des trucs pour t'aider à te lever plus tôt, puis avoir comme une meilleure journée. Fait que ça fait quelques jours que j'utilise un peu cette méthode-là, puis pour vrai, j'ai tellement plus d'énergie qu'avant. Ça m'aide vraiment beaucoup, fait que si vous aimeriez aussi voir une routine matinale, ou mes trucs que je fais le matin pour comme aider à me rendre de meilleure humeur, laissez-moi le savoir aussi en bas de commentaires. Puis sinon, je viens de réaliser que j'ai comme pas dîné. Puis j'ai comme juste 15 minutes à ma job pour manger, fait que... Je sais pas ce que je vais manger. Oh, je vais manger ça. Ça là, les amis, c'est tellement bon. Oh my god. Je pense que ma mère l'achète au IGA ou au métro, là, je suis vraiment pas sûre, mais c'est de plaisir gastronomique. Puis c'est la salade de couscous, agrumes et canneberges. Pour vrai, ce truc-là est tellement bon, puis c'est vraiment senti, là. En tout cas, c'est vraiment bon. Je pense que je vais manger ça vite, puis j'allais me chercher un café avant ma job, parce que... Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un, puis j'ai vraiment le goût d'en boire un. C'est gênant de manger. Non, mais vous, non. Allô tout le monde! Fait que là, je suis rendue au Tutti Frutti avec mes amis de l'université. C'est la première fois que vous voyez. Rachel est comme cachée. Vous voulez vous présenter? Ok, Ilia. Bonjour. Marilyn. Salut. Eve. Salut. Je vais être trop proche. Rachel. Eve, je sais pas c'est qui dans une journée. Moi, je suis une passante. Puis ce matin, on avait un examen. Et on l'a fait en 10 minutes pour mes parties. Puis là, bon, déjeune. Au lieu d'aller au cours. Parce qu'il y a toujours plus pesant. Fait qu'on va se faire un déjeuner de filles. Ça va être même pas. On dit pas ce qu'on veut. C'est un gros dilemme, mais faut choisir qu'est-ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Juste, tu me perturbes. Salut! Andréane, une anecdote à compter, c'est ça? Oui! Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, bonjour, moi c'est. Mais attends, approche ta photo! Ton front était gauche!
Ben vas-y. Bon, en moi je voulais dire que je m'excuse, ok? Je suis vraiment désolée d'avance parce que c'est vraiment long quand je choisis au restaurant. Ça fait environ 30 minutes. Oui, bon, 20 minutes, d'accord. Mais il restait juste moi, ça m'arrive tout le temps. Tu sais comment t'es salée, genre. T'es genre trop à l'aise, c'est comme... Je suis vraiment très bien. Mais je m'excuse à mes amis aussi, dans la vie tous les jours, qui m'endurent tout le temps. Parce que c'est... Ils m'ont chum aussi, c'est vraiment... Les grosses confidences, ça m'a fait. C'est vraiment pas mal, j'ai la petite larme coulée ici. Oui, mais je vous aime quand même, là, mais je suis vraiment longue. Je m'en excuse. Ok. Maman, vraiment... J'aime comment tout à l'heure il y a juste Rachel en arrière qui est comme. Rachel aussi elle l'aime, même si elle va pas très vite, en tout cas. À la prochaine! Ben non, mais un vlog c'est juste. Non. Je le sais, mais c'est une vlog. Salut! Il y a des rendus comme. Tu m'as appris là. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Non! Ça c'est Jess. Enchantée. On la connaît pas, elle, non, c'est pas grave. J'ai vu sur la rue, t'as pillé. Bon, je sais pas si vous m'entendez très bien. Puis j'ai sûrement le souffle vraiment court. Mais je viens de prendre le métro et marcher un bon petit bout, là. Puis là, je voulais juste vous dire, là, c'était vraiment fun parce qu'après déjeuner, il restait pas mal de bouffe dans comme tous nos assiettes. Fait qu'on a fait comme un plat. Puis on a décidé d'aller le porter à un itinérant dans la rue. Un itinérant, c'est ça. Puis là, même la serveuse, elle nous a donné un café gratuit pour les apporter. Fait que je me sens bien, là, c'était comme la bonne action de la journée. Fait que c'est simple, là. Regardez ma belle vue. j'ai marché parce que je m'en vais rejoindre mon père à son travail. Je vais donner son bureau, si vous voulez, là. Puis il est comme collé sur le bord du canal de la Chine, si je m'en rappelle bien. Fait que ça, c'est la vue. Puis je trouve ça tellement beau. C'est vraiment une belle journée aujourd'hui, en plus. Super gros soleil, il y a un petit vent, mais sans trop. C'est sûr que c'est pas la plus belle eau, hein, mais la vue est quand même belle. Voici le bureau de mon père. Tu veux présenter? Bonjour. Tu veux présenter ton petit lèvre? Bienvenue chez moi. Ouais. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Mon matin était bon? Ouais. Puis comme je vous avais dit, ça c'est sa vue. Il est vraiment chanceux. Voilà. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est un loft là, je vous avais déjà expliqué un peu comment ça fonctionnait sur rendez-vous. Puis c'est juste des vêtements pour hommes. Ça. Voilà. Avec le mur de briques, c'est full beau. On est vendredi. Donc, on est vendredi, il est rendu 6h30. Regarde mon rouge à lèvres! Salut! Fait qu'aujourd'hui, on est à l'école de genre 8h à 4h. Puis, j'ai invité. À 5h. J'ai invité les deux belles filles chez moi. Puis, ils savaient vraiment pas le coin où j'habitais. Genre, ils connaissent vraiment pas ça. Fait que pour eux, c'est super loin. Puis, ce soir, on se fait un souper. J'ai kické à mes parents dehors. Fait qu'ils sont allés super au resto. Pis on est tellement santé. Full santé. Mais yo, hein? Qu'est-ce qu'on mange? Hamburger helper. Miam! Pis notre dessert qui est vraiment, mais vraiment fancy. Oh! Des beignes! Pis notre côté pas santé, tu sais, c'est la saveur, là. Santé, c'est vraiment... tu veux dire? Santé, oui, c'est ça. On est quatre filles. Oh my Jeff, God. Moi. Eliane et Ariel, il va Ariel. Oh mon dieu. Ils connaissent la même? Non. Il y en a un deuxième. Ouais. Non, mais lui, il est moins sympathique. Oui. Ça, c'est Ariel. Oui, je te donne la caméra. Ah, ok. Quoi? Ça, c'est Ariel. C'est ma meilleure amie. Elle m'aime beaucoup. Regardez comment elle est belle. Elle aime tellement quand je la flatte. Ça, c'est genre vraiment, on est construit pour vendre. Salut, Eliane.
C'est moi. Et bonjour à la caméra. Ce soir, parce que c'est pas moi, j'ai pas cuisiné, vous savez comment elle est belle. Salut, Chien! T'as pas juste ça? Pas juste ça non, j'en ai un autre. Bon, ben à plus tard! Bye! Moi, oh mon dieu! Quand ça a tellement l'air, à plus de ça! Ok, les pâtes. Ça va dégueu! Ça va tellement déborder! Ça va déborder. Non! Non? En même temps, les pâtes, ça va absorber. Oui, c'est ça, ça va absorber. Est-ce que je les mets? Ouais, tout! Au complet. Mais ça. Voilà! Hey, on juste comme ça a l'air dégueu. Oh my god, ça a l'air dégueulasse. Mais on sait que c'est bon. C'est correct. J'ai hâte de voir. Mmh. Ok, fait que là, dans le fond, on fait juste, je pense, attendre. Voilà à quoi ça ressemble. Comme qu'on est cook. Très pas final. C'est quand même cute, là. Trop cute. Natal est là, au moins ça fait un peu moins dégueu. Voilà! Ça va être bon. Elle a danse depuis tantôt toute seule. Troisième tonne d'ice cream musical.